Alors bonjour tout le monde, bah, lundi prédiction de la semaine, comme d'habitude. Bon, il me manque un chiffre, donc bébé va venir donner le chiffre. J'espère que vous avez passé un bon week-end et tout. Nous ça a été, on a été avec au cinéma avec le club de rugby de Bernard. Donc bon ça va, c'était pas cher cher la place. 4 euros pour adultes et puis bébé c'était gratuit. Et le Père Noël est passé en avance au rugby club, où il a offert une structure gonflable au nom du club, justement. Et ça va servir pour les entraînements des petits, c'est-à-dire, vous savez, ils ont un élastique dans le dos et ils doivent aller le plus loin possible. Voilà, ça va les faire travailler un petit peu les jambes, on va dire. Voilà. Alors, puis ici, là, un truc qui est intéressant, ils n'ont pas fait de calendrier cette année. Alors, bougez pas, je vais vous faire voir. Là, voilà, j'arrive. Au lieu de faire un calendrier, ils ont eu l'idée, vous savez, comme les. Je sais plus quelle société qui fait ça. Panini qui fait ça. Voilà. Dis coucou à tout le monde. Bonjour tout le monde. Oui, c'est pas grave. Donc ils ont fait ça et avec ben, les photos et puis ben votre petite starlette, elle est là. Elle est en photo. Je vous la fais voir. Voilà. Il est là le bébé. Ah! Je vois pas ce que je fais, ça m'énerve. Hop là! Il est là. Votre petite starlette, il est là. Voilà. Donc c'est pas mal, je trouve que l'idée est pas mal de faire ça. Oui, on a compris, bébé, c'est un ami qui t'a filé la tienne photo. Donc voilà. Bon, ça va, c'est 1 € la pochette. C'est 1 € la pochette de 5 photos. Il y a tout, vraiment tout le staff de la tirage. C'est-à-dire les petits, les seniors, les, enfin, tout le monde, les dirigeants, tout ça. Donc c'est pas mal, j'aime bien l'idée. Bon allez, on va commencer le tirage comme d'habitude pour la France. Y a beaucoup de personnes qui sont en train de parler par rapport à la Coupe du Monde, à la Coupe de la Honte, hein, comme je dis. J'appelle pas ça la Coupe du Monde, j'appelle ça la Coupe de la Honte. Où là, on va avoir un gros gros souci quand même en France, hein, puisqu'on va avoir France-Maroc. Alors si le Maroc va si le Maroc perd, ils vont foutre le feu à des bagnoles, et si le Maroc gagne, ils vont foutre le feu à des bagnoles. Donc il faut s'attendre au pire. Après ce match, ça va être quelque chose qui va être coton en France. Ils vont pas apprécier de perdre. Ah, attendez, je suis en bêta avec ma caméra. Voilà, madame veut pas tenir. Voilà, c'est bon. Donc on commence par la, comme d'habitude, hein, pour la France. Notre pauvre France. Vous avez entendu Madame Borne, on est à sa à son 9e 49-3. Pour le budget de l'État. Ben pourquoi pas. Sachant qu'en plus, ils ont augmenté le budget de l'Assemblée nationale de 2,3 millions d'euros, c'est super. Allez, on commence. Agnès, Raymond, Chantal, le 4. 2, 3, 4. Nous avons les étoiles en vert. Ah, déjà, frustration d'entrée, vous voyez, ça commence bien. Hervé, le 19. 19. La roue en vert. Il n'y a pas de changement, hein, ça bouge pas de trop, quoi. Les gens attendent surtout la fête, les fêtes de fin d'année, je crois. Corinne, Bruno, Alain, Jordan, le 13. 11, 12, 13. La lune en droit. Bernadette, Cabaye, Soleil, le 5. Le magicien en droit. Hélène, Patrick, Stéphane, le 2.
la force en droit. Ce qui m'indique personnellement, en plus avec la carte qui va être au milieu, ce qui m'indique moi personnellement qu'il va y avoir de la violence. Marlène, Colette, Marie, Delphine, Matou, Michel, Loulou, le 11. 1, 11. La grande prêtresse en droit. Dom, Peugeot, Bernard, Sissi, le 7. 1, 7. Le pendu en droit. Claudine, Daniel, Catherine, Françoise, Patrick, le 18. 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. L'ermite en vert. Ce qui m'indique que par rapport à la situation, on se sent de moins en moins seul. Je pense qu'il va y avoir de plus en plus de solidarité et de plus en plus de personnes qui vont, on va dire, en parler entre eux et il y a du soutien. Moi, par exemple, quand je vous disais qu'on nous où on habite, on a eu, bon, comme vous le savez, hein, on va au Resto du Cœur, malheureusement pour nous, mais on avait trop d'oranges et de clémentines. On a été voir une voisine si ça l'intéressait. Ça m'intéresse, donc bah, à la place, elle nous a filé un chou rouge, la moitié d'un chou rouge. Ouais, on commence déjà, ça commence déjà en France et les échanges de bons procédés, on va dire, à retrogue, quoi. Et pour finir, Bertrand, JP et France, le 3. 1, et nous avons le monde en droit. Alors, moi, personnellement, qu'est-ce que ça m'indique tout ça? Ça m'indique que les gens sont de plus en plus en colère par rapport à la situation, sont de plus en plus en colère par rapport à ce qui se passe avec le gouvernement. Et bon, c'est vrai que là, il y a les fêtes de fin d'année, mais il y a beaucoup de frustration parce que, bon, déjà, comme vous le savez, il y a pas mal d'entreprises qui sont en train de fermer, malheureusement pour nous. En France, il y a même des boulangeries qui ferment. Vous imaginez un peu le tableau, des boulangeries qui sont obligées de fermer à cause de la crise de l'énergie. Sachant que une boulangerie à une baguette, ça. Bah, disons que c'est l'un des rapports qualité, enfin, rapports gains qui sont les meilleurs. Quand vous voyez, par exemple, le prix d'une baguette, c'est 1 euro, 1 euro 10. Voire 1,20 € le coût de fabrication d'une baguette, simplement une baguette, c'est à peu près 10 centimes, 10-15 centimes, un grand maximum. Voilà. Donc voilà, ça y fait que, bah, à cause de l'énergie, hein, bon alors, moi je vous rassure, hein, comme je disais en live, au niveau des coupures d'électricité, j'y crois pas trop, hein. Voilà. Alors, ils vont essayer d'en faire une. Mais ça ira pas plus loin, ils vont pas en faire deux. Hein. Je vous rassure, quand ils vont voir qu'après, comme je le disais dans le mi-live, après la surconsommation qu'il va y avoir pour réchauffer l'appartement, pour remettre le ballon d'eau chaude à la température, pour remettre le congélateur à la température, pour remettre le frigidaire à la température, je vous raconte pas comment ça va pomper, et je vous raconte pas la facture qui va tomber. Hein. S'ils en font, imaginez qu'ils en fassent une par jour, vous allez consommer deux fois plus en 2 heures. Donc ça va être une véritable catastrophe. Là, les gens commencent sérieusement à avoir ras-le-bol. Moi, je dirais que ça devrait bouger, mais pas tout de suite, parce que les gens sont en train de préparer les fêtes de Noël, en train de surtout, alors là, ce qui m'énerve, c'est surtout en train de... Ils sont obnubilés par la Coupe du Monde. C'est comme si on a l'impression que si la Coupe du Monde, c'est ce qui va sauver l'humanité, ce qui va sauver la France. Voilà, on va être sauvé, on va pouvoir avoir de la nourriture, etc. etc. D'ailleurs, il y a déjà longtemps que je n'ai pas fait une voyance de bisounours. Il y a peut-être des chances que j'en fasse une, l'un de ces quatre. Où, comme je dis, hein, tout va bien, tout est beau, tout est rose. Le fait que l'équipe de France soit championne du monde.
Ça va nous mettre de la bouffe dans nos assiettes, il n'y aura plus de chômage grâce à la Coupe du Monde, etc. etc. Donc voilà. Surtout quand on sait que le mec, dès qu'il met un pied sur le terrain, il a déjà 15 000 balles. Voilà, ou s'ils sont champions du monde, ils vont avoir chacun 440 000 euros. Voilà. Comme je dis, des smicards qui adulent des millionnaires. Voilà. Puis comme disait, je sais plus qui, un grec, je crois que c'est un philosophe grec qui disait, donnez des jeux au peuple et vous en ferez ce que vous voulez. Voilà. En deux mots, c'est ça, quoi. Donc voilà pour la France. Ben, pour l'instant, comme je vous le dis, hein, la violence commence à monter. J'ai pas du tout envie de voir ce qui va se passer après le match France-Maroc. Parce qu'à mon avis, ça va être coton. Alors, en France, ça va être coton. Je peux vous le dire. Il va y avoir des grosses emmerdes. Donc voilà pour la France. Hein, je peux pas en dire plus. Le deuxième tirage. Bah tiens, on va en faire sur justement le match. France-Japon, j'allais dire n'importe quoi moi. France-Maroc, voir ce qui va se passer. C'est rare que je parle, que je fais ça, mais bon. Là, c'est vrai que moi, personnellement, je ressens que la situation va être très, 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 très tendue. Voilà. J'ai même lu un article par lequel les CRS s'attendent au pire. Les CRS qui disent ça, qui s'attendent au pire après le match France-Maroc. Allez, on va voir ce que ça donnait, ce que ça va donner. Parce que pour l'Europe, pour l'instant, voilà, ça, hein, ça bouge pas trop, donc ça sert à rien de se focaliser sur l'Europe. Hein. Moi, ce qui m'inquiète en parlant de l'Europe, je reparlerai dans mes prédictions 2020 et, 2000, pour 2023, c'est cette. Ces grandes manœuvres qui sont. En Allemagne, en France, un peu partout dans l'Europe. Moi, ça m'inquiète un petit peu, hein, je vous le dis franchement. Alors, Jason Manina le 21. Donc, j'ai 22 cartes, c'est l'avant-dernière. Hein, on va pas chercher. Voilà, le monde en droit. Yvette Yolène le 12. La grande prêtresse en droit. Jocelyne Marie Claudine Walkindid le 10. 10. La lune en vert. Cathy Roland le 14. Le pendu en droit. Mimis le 22. 22. La roue en droit. Jacqueline. Damlula Graziella, le 17. 17. Le soleil en droit. Eh ben, à première vue, le jeu a décidé de ne pas me parler du match, mais d'autre chose. Maïté, le 9. L'ermite en vert. Et le 20, Yvette. 1, 19, 20. Le grand prêtre
en droit. Donc comme il me manque une carte, ben, on va demander à votre petite starlette de venir me tirer une carte. Allez, tire une carte. Dépêche-toi. Celle-là. Oh là. La force en droit. Alors, ça arrive. La preuve. Moi, j'ai posé une... Je pensais à l'histoire du match de foot. Et en fin de compte, ça me parle d'autre chose. Le jeu veut me parler d'autre chose. Il me parle de l'Europe. Et là, il va y avoir à long terme, donc ce serait, je pense, pour 2023, au départ de 2023, un changement qui est en train de se mettre en place. Et ça va être assez violent. Voilà. Bon, de toute façon, même le match après hein, de foot, de toute façon, il va être violent. Donc voilà. Hein, on va faut s'attendre à ce qu'il y ait des voitures de cramer, etc. Mais ça, c'est pas c'est autre chose. Là, je vois qu'il va y avoir quand même un mouvement, on va dire des mouvements de foule contre cette politique européenne. Et dans beaucoup de pays européens. En l'occurrence, moi je le ressens, l'Allemagne, ça va bouger. L'Italie, ça va bouger. Il y a de grandes chances que ça bouge aussi en France, mais ça sera après les fêtes. À mon avis, ça c'est prévu pour l'année prochaine. Voilà. Je dirais avant l'été. Il va y avoir beaucoup de problèmes déjà avant. Moi je dirais malheureusement par rapport à ce que j'avais dit il y a quelque temps. Que ça me paraissait bizarre cette histoire de récupérer les armes non déclarées, etc. etc. Pour moi, ça cache quelque chose. En plus, ces grandes manœuvres, voilà, y a un truc qui n'est pas clair là-dedans et ça m'inquiète. Hein, comme je vous le dis, je serais pas surpris malheureusement qu'on arrive à la Troisième Guerre mondiale. À cause de tout ça, quoi. Voilà. Je vous en parlerai cet après-midi. J'ai fait une petite recherche tout à l'heure. Parce qu'il me semble qu'il y avait eu des manœuvres en 39, juste avant la déclaration de guerre. Je regarderai ça tout à l'heure. Mais voilà, il y a quelque chose qui va partir en cacahuète en Europe. Ça, c'est clair. Voilà. Donc sur ce, bah, je vous dis à cet après-midi, maintenant il n'y a plus qu'à attendre. Je vous ferai mes prédictions comme d'habitude en fin décembre pour l'année 2023. Je pense qu'on mettra la parution on est quand? On est vers le 20, je pense, hein, mon cœur. Je pense que la parution pour les prédictions 2023, on la mettra le 20. Bah, comme d'habitude, le 28. Donc on mettra en place, là, les prédictions 2023, on mettra pour mettre un chiffre sur, comme d'habitude, à partir du 20. Et comme ça, vous pourrez avoir jusqu'au 28 pour mettre 20, 27, on va dire, pour mettre un chiffre. Voilà, ça vous fait 7 jours. Je pense que ça suffit amplement pour pouvoir mettre un chiffre, pour pouvoir faire les prédictions 2023. Moi, je vous dis franchement, de toute façon, qu'il s'annonce relativement mauvaise. Voilà. Voilà. Vous avez entendu, hein? C'est pas moi qui le dis, hein? C'est bébé, hein? Voilà. Allez, bisous tout le monde. Oui, bah range-le. Attendez, bougez pas, je suis en train de me baser avec mon tapis, comme d'habitude. Et je vous dis bah, à tout à l'heure. 14h, 14h15, on n'est pas à la minute près. Allez, à tout à l'heure.